Salut à tutti, se la vi piace la creazione e usate fa a stondagomi brubongo, casca d'incanto. Sarà a tempo un viaggio all'epica di un medievo con musica che parte dall'Italia e che giunge fino a Pigna. E pur usare l'ugimane da usare il XVI secolo, un nostro liudai, una pia di una riviglia, Ugo Casalonga. Salute! Salute! Allora, Ugo, chi è il vostro segreto? Chi è che vi porta così? Di Abbassione, Abbassione di Varinace, un strumento tradizionale di Campacui. Soprattutto di Campacui, ne? Di Campacui, di fare un mestiere appassionante. Allora, quanto anni ha che ho praticato il vostro mestiere? Oggi fa 36 anni, comunque. 36 anni di passione? Sicuro, e di lavoro sempre che mi arricchisce. Barricchisce assai, mi porta. Mi porta. E tutte ces rencontres aussi, ces échanges qui m'enrichissent et qui me portent vers des voies différentes de la lutherie et de la musique. C'est toujours une découverte finalement, on apprend tout le temps, même au bout de 36 ans. On apprend tout le temps et on a toujours cette envie aussi d'apprendre, bien évidemment. C'est merveilleux. Alors, on parle de passion. C'est ce qui vous a porté, on le sent bien, lorsque vous parlez de ce bel instrument. Alors, et où Biberbong vous dit va, au Ostrogred, vous dit Soggetto, ce premier objet que je voudrais vous faire découvrir. Alors, Ugo, est-ce que vous pouvez nous parler? J'ai tellement peur de l'abîmer, c'est tellement magnifique. C'est quoi ce premier instrument? Alors, Diaouna Jetera, c'est le premier instrument que j'ai construit en 82. Je n'avais aucune expérience en lutherie. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans et pas d'expérience de lutherie? Pas d'expérience en lutherie. J'étais en formation ébénisterie. Et c'était au moment de la renaissance de l'instrument. Je n'avais pas les moyens de m'en faire fabriquer une, de m'en payer une. Donc j'ai décidé de la fabriquer, piano bian, ou avec des aides aussi de Michel Bourrez et de mon père, Alexandre Rouspine. Justement, votre père a participé aussi. La tête que l'on voit au bout. Tout à fait. C'est une sculpture. La tête qui représente. C'est la tête Tony Casalonga. C'est voilà mon père, Tony, qui me l'a sculpté, bien évidemment. C'est quel bois, ça? Alors, la caisse et le manche sont en noyer d'ici, que j'ai pu trouver en Corse. Il y a de l'ébène et de l'épicéa, et les chevilles en buis aussi. Alors, aujourd'hui, il y a 36 ans d'expérience. Quel regard vous portez sur ce premier instrument, alors que vous n'étiez pas encore un professionnel? Est-ce qu'on voit des petits défauts? Alors, oui, on voit des petits défauts qui sont perceptibles par un œil, je dirais, averti. Après, c'est toujours une émotion de voir cet instrument qui, 36 ans après, fonctionne toujours, joue. Certes, mon travail a évolué, ma lutherie a évolué, mais malgré tout, je suis quand même assez fier, si on peut l'être, de cette première réalisation qui a été en plus, qui m'a ouvert cette voie de cette passion. Ça n'est pas un regard sévère et vous avez continué, vous avez confirmer votre art et votre talent. Awa badia barla di aostrani mala di un gabiada de un moscagno e vi propongo di scoprire una maraviglia veramente sempre ad sempre adrimue la quando do questo strumento. Allora Ugo, chi di è questo strumento magnifico? Qui di una gitara, un modello italiano, modello Renaissance italiano, d'après Gasparo da Salò de Brescia. Et c'est une copie assez proche du modèle original. C'est ça votre particularité en fait. On vous reconnaît parce que vous êtes assez proche de l'original. J'essaye en tout cas de m'inspirer des modèles anciens, d'y apporter moi, je dirais, ma manière et mon ressenti. Mais effectivement, ma source d'inspiration, ce sont les modèles anciens, aussi bien de la famille des Sistres, français, italien, anglais, que des Tchétères et Corses. C'est magnifique. Je vais vous demander de nous faire écouter un petit peu cet instrument. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez nous faire quelques petites notes? On va essayer de faire quelques petites notes. Et moi, je prends en même temps... ceci, c'est un parchemin dans lequel... Dans lequel je découpe les rosaces. C'est magnifique.
magnifique. Les rosaces, ils sont faites sur du parchemin. Sur Est-ce du que parchemin. Ça a une incidence sur le son de l'instrument, la rosace? Est-ce qu'elle joue un rôle? Ça peut jouer un rôle si elle est plus ou moins ajourée, mais c'est essentiellement un élément décoratif. D'accord. Et c'est des modèles que vous avez inventés? Ceux-ci, non, ce sont des modèles d'après, des modèles d'époque aussi, que l'on retrouve sur les sistres ou les guitares ou les clavecins aussi parfois. Et j'ai dessiné quelques modèles aussi, ça m'arrive effectivement de dessiner quelques modèles et de m'inspirer aussi de modèles existants que l'on retrouve aussi en Corse. Alors moi, je vous propose, Hugo, vous savez qu'à Loum et Sabefa, nous sommes très curieux et nous sommes venus vous épier dans votre atelier à Pigna. Oui. Je vous propose de regarder quelques images. Qui si fa gli strumenti, accordi, cetere, chitarre, mandoline, caricembalo e tutti questi strumenti antichi. Ora sono tre che lavorano in una cetera che è quasi finita e un mandolino. E vorrei le arrivato io, con quei disegni, per strumenti di creazione, per strumenti antichi, sono copie di strumenti antichi. Ma io lei si lavora con tutti gli attrezzi che ho qui, piale, gouge, tutto quello. C'est un modèle que j'ai dessiné il y a quelques années en collaboration avec Ange Lanzalave. Puis depuis, bien évidemment, c'est l'instrument qui a plu et que je refais à la commande assez régulièrement. Là, c'est de l'air abondé pour le fond, les éclisses et le manche. J'en ai fait avec des caisses en noyer, des manches en érable. En palissandre aussi, oui, on peut mettre plusieurs essences de bois sur le même instrument. C'est un rapport avec la résonance. Les tables d'harmonie sont en épicéa. Moi, je les fais toujours en épicéa parce que c'est un des meilleurs bois de résonance pour la table d'harmonie. Les caisses, et on a toute une variété de bois qui vont très bien pour les caisses acoustiques. Alors là, je cintre le filet que je vais poser après sur le contour de la rosace. C'est un filet en ébène qui est cintré à chaud. On employait la colle à chaud avant qu'on invente les colles vinyliques ou synthétiques. C'est une colle qui est encore beaucoup employée en lutherie, bien que moi, parfois, j'alterne aussi, j'emploie des colles industrielles qu'on montre aujourd'hui, enfin vinyliques, colle blanche, quoi. Mais j'aime bien la colle à chaud parce qu'elle est très fluide, elle a un très bon pouvoir collant, colle réversible. Alors, Hugo, qui fait dire des igousis? Rien, parce que qui m'a regardé, dit l'or et dit sa gola, qui est vraiment très belle. Il y a un peu particulier, ce d'or. C'est toujours un peu particulier de se voir. Je n'ai pas trop l'habitude, mais en tout cas, vous avez fait de belles images dans cet atelier. Hugo, combien il faut de temps pour préparer, par exemple, on était sur une mandoline, combien de temps faut-il pour préparer un instrument comme celui-ci? Le temps moyen pour la réalisation de l'instrument, c'est à peu près un mois de travail. En sachant que j'alterne toujours un instrument à l'autre, j'ai toujours en construction au moins deux, trois instruments pour pouvoir alterner. Il y a des temps de collage, de vernis, tout ça. Mais le temps de réalisation, c'est sur un mois, ce qui permet aussi de le monter tranquillement, que les bois prennent forme, s'acclimatent.
C'est pas trop difficile justement de s'en séparer quand on a passé un mois avec l'instrument. C'est un peu confier son bébé. Tout à fait, oui, parce qu'on y met beaucoup de soi, mais c'est un plaisir aussi de que cet instrument va vraiment prendre vie, parce qu'un instrument qui ne joue pas, en gros, il perd de son utilité, tandis qu'un instrument, même si on y passe beaucoup de temps et de le voir partir, effectivement, parfois, on prend plaisir à le faire sonner, mais quand on sait qu'il va aller dans des mains d'un musicien qui va vraiment lui donner vie et le faire vibrer... Et maintenant, c'est à moi de faire vibrer votre cœur. Kuno, je trouve batigore. Adieu d'avassuna, pena, ou je trouve gore, kusa. Magnifica, viura, un ridratu. Magnifico. Quoi les os, ces idées-là? Soimo violi. Et ou je trouve violi. Bibia, j'ai souri drate. Soimo violi. C'est la plus belle chose que j'ai faite, peut-être. Le plus bel instrument. Oui, le plus beau instrument. La transmission, vous y pensez? Oui, j'y pense. J'ai déjà eu des apprentis, des stagiaires. Et c'est quelque chose que j'aime transmettre, faire découvrir ce métier. Oui. Votre fils, par exemple? Il a son petit établi, il a des vrais outils. Il vient à l'atelier pour l'instant et il y prend plaisir. Et moi, j'ai plaisir à lui montrer comment on taille des bouts de bois. Et pour l'instant, c'est très ludique. Mais... Ça a commencé comme ça aussi pour vous? Oui, mais moi j'étais dans l'atelier de mon père, dans l'atelier de mon grand-père, donc j'ai grandi aussi dans cet univers-là. Et ça s'est bien développé, on dirait. J'ai choisi cette voie, après lui je lui laisse complètement libre de choisir sa voie, mais en tout cas... Quel conseil vous lui donneriez si un jour il vient vous dire « Papa, je veux être luthier » Je lui donnerais de bons conseils et surtout d'aller voir aussi ailleurs, de tourner, de faire un peu comme un compagnonnage, parce que c'est très enrichissant de voir différentes manières de travailler. Ça apporte toujours beaucoup. Ça apporte toujours beaucoup, bien évidemment, de rencontrer plusieurs personnes. Cultures et personnes, oui. Ugo, vi grazie di averci aperto e porte di vostra telu in pigna. È stato un bel viaggio musicale, ci ha deportato di vola in musica. E a voi vi dico a presto per un altro attigore. Vi ringrazio. Thank you.